Le buzz! L'argent! Waouh! Bonjour à tous les amis, bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui les amis, nous allons regarder ma vidéo la plus vue de la chaîne, c'est-à-dire un buzz. J'ai fait plus de 300 000 vues, c'est complètement incroyable. Et je vais tout simplement vous montrer également comment j'ai réussi à réaliser cet exploit individuel. Enfin, du coup c'était pas individuel parce que je l'ai fait avec un pote, mais... Allez sur ma chaîne YouTube les amis, donc ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on va dans les plus populaires. On tombe sur cette vidéo qui est sortie il y a 9 mois, qui a fait 330 000 vues, qui est un joueur PS4, test la 144Hz. Le buzz! Voilà. C'est depuis cette vidéo, faut savoir que je vis aux Bahamas, c'est quand même incroyable. Les amis, on va la regarder. En vrai les gars, pour cette vidéo j'ai été malin. Pour vous expliquer vite fait, donc la vidéo c'est, il y a mon pote Dario qui vient chez moi et je lui fais tester mon nouvel écran 144Hz. Je vous explique pas ce que c'est la 144Hz, d'ailleurs j'explique au début de la vidéo si vous voulez aller voir. Donc on va passer tout ça parce que ça nous intéresse pas. Si vous voulez vous renseigner, peut-être aller voir d'autres vidéos parce que j'ai peut-être dit un peu de la merde je pense. Mes explications, mais vas-y c'est pas grave. J'ai bien fait parce qu'en fait de base moi je voulais faire une vidéo où je teste moi-même l'écran, mais je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie en fait. Genre j'ai ouvert l'écran, tu vois, j'ai directement joué avec, mais du coup je l'ai justement fait tester à mon pote Dario. C'était bien plus malin en fait. Genre sans le vouloir, j'ai fait un truc malin. Là, ça intéresse beaucoup de gens, la 144Hz déjà de base. Et du coup, en plus, là, le titre il s'adresse à des joueurs PS4. Donc, énormément de gens sur YouTube. En général, les gens qui ont une PS4, c'est des gens jeunes. Parce que quand t'as 10 ans, tes parents ils vont pas t'offrir un PC à 1000 balles, ils vont plutôt t'offrir une console à 200, 300 euros, tu vois. Donc, ça intéresse beaucoup plus de gens. Et sans le vouloir, j'ai fait un titre magnifique. Ça a fait des vues, ça a fonctionné, c'est incroyable, c'est fantastique. Surtout qu'à ce moment-là, je pensais pas trop à faire des vues parce que mon record de vues il y a 9 mois, j'avais 200 abonnés. Hein. 9 mois, j'avais 200 abonnés. Hein. D'ailleurs, incroyable de se dire ça qu'il y a 9 mois, j'avais 200 abonnés. À ce moment-là, les gars, mon record de vues c'était genre 400 vues, tu vois. Comme maintenant, toutes les vidéos font minimum ça, donc c'est incroyable. Merci d'être là, les potes, je vous aime. On passe les explications parce que ça nous intéresse pas. Elle commence sous la vidéo. Au niveau du montage, il y a pas énormément qui a changé parce qu'à ce moment-là, je commençais déjà à maîtriser les zooms, etc. Ce qui a changé, c'est surtout la qualité du son. Donc là, vous m'entendez très bien, tu vois. J'ai un très bon micro et tout. Et à ce moment-là, j'enregistrais avec le micro de mon casque, donc c'était pas ouf, tu vois, genre c'était pas incroyable, mais voilà, on commence tous quelque part. Bien, bonjour à tous et à tous les amis, c'est Pablo. Comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, j'ai un nouvel écran, mais j'ai bégayé. Mais en fait, dès que je l'ai reçu, j'ai directement joué avec. Il avait 40 abonnés à ce moment-là. Maintenant, il a quasi 600, je pense. Ok, ok. Et encore, c'est grâce à moi, sinon il serait encore à 50. Je t'aime, Dario. Je me suis dit pourquoi pas le faire essayer et filmer sa réaction, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. T'es chaud, mec? Vas-y, bah là, tu testes d'abord en 60Hz. Putain, le menu il a quand même un peu changé, hein. Mais bon, après, ça date d'il y a 9 mois, tu vois, c'est pas non plus un truc de ouf. Je te le dis déjà, t'es pas prêt. Bon, fais des. Là, t'es en. Waouh! Oh lolo, beau gosse! Mais c'est en 60Hz, sale con! Mais non, mais. Non, mais. Bon, là, c'est comme si t'étais sur une PS4. Waouh! Ok? Là, t'es sur une PS4. Bon, les gars, ça fait. Ça fait. T'as changé? Non. Il avait encore sa petite voix, Dario, en vrai. Là, sa voix, elle commençait à changer parce qu'il y a une vidéo qui date d'il y a encore plus longtemps où vraiment sa voix, c'était. Vas-y, tu peux faire top 1, Pablo. J'ai l'impression que cette vidéo, elle date d'il y a 2 ans alors que ça fait que 9 mois, tu vois. C'est incroyable. Après, les gars, c'est incroyable, en vrai. De voir sa putain de réaction, je vais vérifier qu'on confirme quand même après. Parce que vraiment, ça serait triste. Attends, il faut que j'arrive à faire mes double edits, c'est vrai. Vas-y, vas-y. Fais tes double edits de merde. Voilà, c'est bon, je suis chaud. C'est bon. Moi, je veux voir la différence. Le moment incroyable les amis, la réaction d'un joueur PS4 qui teste la 144Hz pour la première fois de sa vie. Est-ce que vous êtes prêts? Wow, attends, 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 juste avant la console qui se édite. Allez, vas-y. Oh, oh. Il est trop con. Oh, c'est trop. Vas-y, fais des 90, fais des 90, fais des 90. Oh. J'allais dire fais des 90. Oh le fou. Oh le fou. C'est trop. Vas-y, fais des 90. Fais des 90. Oh. T'as vu, mec? Oh. Mais c'est. Oh. T'as vu, c'est trop bien, mec. C'est trop magnifique. Regarde, c'est. Il est en train de jouir. C'est un malade mental. Ça bug pas, y'a rien, c'est. C'est vraiment un handicapé, hein. Et vu que c'est un 144, normalement, il va faire top 1 20 kills. Plus ou moins, 22 même. 22. Parce que, voilà, quoi. C'est trop facile pour moi. Ouais, je suis un pro player. N'oublie pas de lâcher le pouce bleu, les enfants, et de vous abonner. Oh, on connaissait déjà les bails. Mais vous, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Oh, j'ai besoin de faire des coups de souris, dégage là. Oh. Ah ouais, merde, je suis sur manette, ça va. Des coups de manette, n'importe quoi. Putain, mais... Pas le son du jeu. Oh, le professionnalisme était là. On avait même pas le son du jeu, j'avais même pas réussi à le mettre, je pense. Quel autiste. 144 Hz. Ok. Voilà, wow. Le 144 Hz. C'était bizarre le truc de la tomate ici. Bravo. Je me dis, what, il est à travers un truc. Mec. En vrai, il était éclaté, ouais. Hein. Ok. La musique. Bien joué. Ouais. C'est grâce aux 144 Hz. Oh, j'étais chiant, putain. C'est grâce aux 144 Hz. Oh merde.
c'est trop facile. Non. Ah oui, je remettais à chaque fois ce qu'il disait au début, genre c'est trop facile pour moi, je suis un pro player. Ah oui, pas mal, pas mal, pas mal. Putain, le montage était présent en vrai, c'est cool. Bien joué. Ok. Ça c'est grâce au 144 Hz. T'as pas chance. C'est trop facile pour moi. Jason. Attends, attends. Mais quel pro! Oh, il a dit. Je me foutais déjà de 5 heures. Oh, il quel bâtard. Vas-y, j'attends moi, j'attends. Et mais il va niquer ta soeur, hein, toi. Oula, oula. Allez, le 144. Ouais. Voilà. Pourquoi je continue la musique s'il l'a tué? D'accord. Bon, j'étais pas très fort en montage en vrai. Hein. Bof. En vrai, le montage est propre. Cette vidéo-là, les gars, c'est dans mes premiers gros montages en vrai, vraiment. Alors à ce moment-là, ce montage-là, je pense qu'il m'avait pris genre 4-5 heures, tu vois. Un montage comme ça, maintenant, je le fais en 1h30, tu vois, c'est fait. C'est le début, tu vois. C'est pas mal de voir ça en vrai, c'est cool. C'est cool, vraiment. Oh, son shoot. C'est quoi ce shoot de merde? Mais combien de balles je lui ai mis? Mais il a tout mis à côté, frère. Regarde ça. Son niveau. Ah, c'est quoi ce shoot de merde? Mais combien de balles je lui ai mis? Je suis un pro player. Oh, voilà le 144. Oh. Trop chiant. Putain, je suis trop chiant. Oh, c'est incroyable comment je suis chiant. Allez. Le 144. Le 144. Ok. Mais j'en ai Oh, le niveau. Mais j'en ai marre de ces... Conclusion. Après, c'est... Franchement, c'est hyper beau. C'est vraiment trop stylé. Genre, on voit bien les détails et tout. C'est vrai. Genre, c'est beaucoup plus fluide. Genre, même pour les edits, pour tout. Tout. Ouais. Genre, franchement, c'est... Et est-ce que tu crois que ça peut te donner un avantage par rapport aux joueurs Très bonne question, Pablo. Très bonne question. Ouais. Mais genre, pour... Question de fluidité. C'est juste ça, parce que si t'as le shoot, tu l'as ou tu l'as pas aussi. Évidemment. Faut dire. Ouais, mais bon. Oh, j'ai dit bien sûr. Dommage. Genre, parfois, t'as des. Enfin, sur PS4, genre, c'est plus compliqué quand tu vois. Par exemple, Drash. Mais en gros, c'est un autre. Il est passé de PS4 à PC, et genre, tout le monde le dit que quand tu passes de PS4 à PC, même si tu continues manette, c'est mieux, c'est fluide, c'est beaucoup mieux. Genre. Donc, franchement, en conclusion. C'est pas mal. Donc franchement, c'était pas mal. Même si j'ai pué un petit peu beaucoup la merde. Ouais, mais... Tu t'es une merde. C'est nul. Apprends à jouer, mec. En plus, je me souviens dans les commentaires de cette vidéo, il y a plein de gens qui ont dit ça sert à quoi d'avoir un 144 si tu joues comme lui? Avec des gros rageux et tout, ça me faisait trop rire, vraiment. Là, je vais dire combien j'ai d'abonnés. Bientôt les 200 000 abonnés. Hein. Ah, j'avais même pas encore 200 abonnés parce que là, il dit bientôt les 200. Il y a 9 mois, j'avais même pas 200. C'est incroyable. Hein. Comment c'est monté vite en vrai, c'est. C'est un bon cap, mais bon, ça va quoi. On est bientôt proche du million, voilà, ça devrait aller. C'est tout trop, elle est beaucoup trop longue par contre. Ouais, j'avoue. Attends, laisse-moi faire la suite. Parce que tu parles trop là. Tu pollues ma vidéo. Cool, voilà les gars, c'était sa réaction. Sa chaîne est dans la description, il fait beaucoup de lives, principalement sur Black Ops 4. Ça fait très bizarre de se regarder et de parler en même temps. Du coup, au revoir les gars. Abonnez-vous hein, et mettez des pouces bleus. Activez la cloche. Activez la cloche aussi. Et suivez-moi, c'est dans la description. Dans la description, première ligne de description. Pas mal, pas mal, c'est une très bonne vidéo honnêtement. Faut savoir un truc les gars dans cette vidéo, c'est que elle a percé, genre je l'ai sorti le 19 juillet et elle a commencé à faire des vues en septembre, octobre. Donc comme quoi en vrai si votre vidéo elle fait pas beaucoup de vues, dès que vous la sortez c'est normal. Faut pas se dire bah ça y est elle va pas faire de vues et tout, tu vois. Non, vraiment pas. Et d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi d'un coup elle a commencé à faire genre 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues, 40, 100 000, tu vois. Genre elle a explosé cette vidéo. En vrai tant mieux, parce que du coup si j'avais fait moi-même la vidéo, je teste la 144, jamais de la vie elle aurait fait 330 000 vues. Donc j'ai bien fait, c'était un peu un coup de génie, tu vois, c'était un beau coup. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous faites des vidéos sur YouTube et que vous voulez réussir les amis, je dis ça comme si j'avais réussi, j'avais 200 000 abonnés, pas du tout. Ce que je veux dire c'est que si tu veux quelque chose, tu vois, tu te donnes les moyens, tu lâches rien, tu travailles, tu y arriveras, c'est sûr. Moi j'ai de la chance parce que ça a été quand même assez vite, je veux dire ça fait que un an et demi que je fais des vidéos, j'ai déjà bientôt 10 000 abonnés. C'est vrai que je suis pas à plaindre, mais c'est vrai que pour certaines personnes ça peut prendre 2 ans, 3 ans pour avoir leurs 1000 premiers abonnés. Si t'es motivé, tu y arriveras. Donc lâche rien, mets un pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu et n'oublie pas de t'abonner, ça fait plaisir. Et Dario, elle est pour toi celle-là, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube, elle est en description. Ciao ciao. We'll be right back.